Hello tout le monde et bienvenue dans le nouveau Vlogmas numéro 14 il me semble. Alors, petite update sur mes cheveux. Bon, alors autant vous dire qu'hier, ceux qui me suivent sur Snap et Insta, vous avez dû voir, à minuit et demi, j'ai refait quelques mèches. Parce qu'il y avait encore un petit peu de jaune qui me chagrinait, franchement ça m'énervait trop. Donc j'ai retiré les mèches, mais à l'aluminium cette fois-ci pour que ce soit quand même plus... Que ça prenne mieux en fait, pour vraiment que ce soit blanc. Là, je pense que ça a été vraiment très blanc. Et j'ai même forcé d'ailleurs sur le shampoing bleu après, j'en ai refait un. Je l'ai laissé poser même trop longtemps et du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai les cheveux bleus, génial. Donc du coup, ce matin j'étais obligée de les attacher parce que franchement, si je détache tout là, je suis bleu-violette. Je dirais un extraterrestre, hein. J'avais honte de sortir comme ça. Mais bah là du coup je crois que je vais les laver. Ou alors je tiens encore jusque ce soir. Mais bon, je sais pas trop. Donc niveau cheveux, bon, j'ai conscience que je les ai asséchés. Donc maintenant ça va être soin. Bon, sinon bah, pour celles qui me suivent et qui suivent mes vidéos tous les jours, vous avez peut-être sûrement vu du coup la vidéo, la petite annonce d'hier. Voilà, donc maintenant vous êtes au courant. Donc mon chéri et moi on attend un petit bébé pour fin mai. Donc du coup ce matin on avait rendez-vous pour l'échographie. On en a déjà fait deux, mais la dernière donc c'était aux 12 semaines. Et les 12 semaines on ne voyait pas encore le sexe, mais on avait vraiment une belle écho. Franchement on voyait trop bien, trop content. Donc là aujourd'hui ça a été la révélation. Alors on vous le dit pas tout de suite, pour l'instant je garde encore un petit peu le secret, je vous l'annoncerai bientôt. Mais voilà, on va d'abord prévenir la famille, voilà, c'est quand même les privilégiés, donc on a envie d'annoncer d'abord à la famille. Et puis, mais n'hésitez pas à faire dans les commentaires vos pronostics, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez vous. Est-ce que vous pensez que c'est petite fille, petit garçon, voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas non plus si vous avez des questions par rapport à ça. Du coup, je pense que je vous ferai une vidéo spéciale sur ça où je vous expliquerai comment s'est passé mon premier trimestre de grossesse. Alors, il y en a quelques-unes qui m'ont déjà grillé. C'est vrai que dans les dernières vidéos, c'était un peu dur de le cacher parce que quand je mettais des robes assez près du corps, mais oui, j'avais un petit bidon. Alors, j'ai vu des commentaires assez rigolos. Il y en a qui pensaient, voilà, qui ont vu un petit peu mon bidon. D'autres qui disaient que j'avais peut-être mangé une raclette ou autre. Vous m'avez fait vraiment rire. Franchement, je pouvais trop rien dire. Je voulais vraiment l'annoncer avec la vidéo qu'on avait préparée. Et voilà, donc on est super contents. C'était vraiment mon rêve. Voilà, j'ai 30 ans et quand j'accoucherai, j'aurai encore... Ce sera l'année de mes 30 ans, donc c'est pile poil ce que je voulais. Et c'est top. Donc sinon, ce matin, l'échographie s'est très bien passée. Bébé va très bien. On a vu ses petits pieds, ses petites mains. Tout va bien. On a eu, par contre je suis un peu déçue, donc on a eu les petites échographies, mais là elles sont pas jolies aujourd'hui. En fait on voit pas, il n'y a pas une seule écho où on voit le bébé entier. Donc bon, j'ai des petits pieds, j'ai des petites mains, mais voilà, le principal c'est que tout va bien. Et la dernière fois on avait vraiment eu la belle écho, on voit le nez, la bouche, tout était très bien formé quoi, c'est impressionnant. Donc voilà, du coup c'est un grand tournant dans ma vie, une nouvelle vie, un nouveau changement. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire et puis moi je vous ferai une petite vidéo dédiée à mon premier trimestre de grossesse. Là je vous expliquerai un petit peu comment ça s'est passé. Alors ce midi j'ai reçu un colis donc de la part de Dove et en fait c'est deux coffrets spéciaux pour Noël. Donc là on a une boule de Noël avec à l'intérieur une mini crème de corps hydratante. Donc là je ne l'ai pas encore ouvert. Et ici en fait on a une trousse et dedans il y a trois produits, donc j'ai déjà regardé et franchement ça c'est vraiment pas mal. Là, une crème pour les mains, une huile sublimante et déjà rien que la trousse je la trouve magnifique. Et ça c'est quoi? Un lait hydratant pour le corps. Et donc là ce sont pareil, ces deux coffrets que j'ai à vous faire gagner sur Instagram. Donc ceux-là, c'est les miens, mais une fois que j'aurai lancé le concours, les gagnantes recevront directement de la part de Dove leur coffret. Bon, alors on est parti faire des petites courses, des petits achats de cadeaux de Noël. Et du coup, entre-temps, à 18h30, il y a la vidéo qui est sortie avec l'annonce. Et du coup, on a posté petites photos Instagram, etc. Donc ça y est, pour révéler
notre secret. Et bah en fait on est choqué de tous vos messages, c'est un truc de fou. Depuis tout à l'heure là on est installé et on lit un par un tous vos commentaires. Ça fait trop plaisir, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, partout. Enfin voilà, tout le monde est très content pour nous et on est très content aussi. Et d'ailleurs ça me fait plaisir aussi, c'est tous les commentaires YouTube en fait, parce que d'habitude quand je poste une vidéo il n'y a pas forcément 36 000 commentaires. Et là ben, ça me fait plaisir en fait de voir que vous commentez et je me dis en fait que derrière l'écran en fait voilà vous êtes là, ça fait trop plaisir. Et vous-même vous dites que vous regardez, vous êtes dans l'ombre, vous commentez jamais, mais là exceptionnellement vous avez commenté et ça me fait trop plaisir de voir en fait que vous êtes là. Et voilà, donc sur ce, ben, je pense que je partagerai quelques trucs, vous me demandez en vidéo des conseils, tout ça. Donc je testerai sûrement des nouveaux produits pour bébé, pour maman. Et bien sûr, oui, je vous donnerai des conseils. Enfin, je vous partagerai en tout cas. Là, j'ai besoin surtout de vos conseils à vous, parce que voilà, moi, c'est une nouvelle aventure. Mais voilà, on est très heureux. On vous remercie énormément pour tout votre soutien et tous vos commentaires. Alors je vous ai pas montré à quel point je me suis baladée avec les cheveux bleus aujourd'hui. Je les ai détachés et franchement, la honte quoi. Donc du coup là, il faut vraiment que je fasse quelque chose parce qu'ils sont quand même bien secs. Donc je vais mettre de l'huile sur mes cheveux, je vais laisser poser pendant une heure le temps de manger. Je rince après. Moi aussi je vais en mettre sur mes cheveux. Tu vas mettre de l'huile de ricin, l'huile de coco. Comme ça je les laisse poser une bonne heure le temps de manger et puis après je les relaverai et ferai un très bon masque. D'ailleurs si vous avez des... On s'en fout de tes histoires. Oh t'es chiant. D'ailleurs si vous avez des bons masques hyper intenses pour réparer les cheveux, ça m'aiderait si vous pouvez me donner un petit peu vos avis en commentaire. J'ai envie de me tourner vers la marque Kérastase parce que je sais que c'est vraiment le top niveau soin. Mais il en existe tellement de gammes, je sais pas du tout laquelle prendre. Donc si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas. Donc là je mets un petit peu d'huile de ricin et huile de coco, je les ai eu sur Aromazone. C'est vraiment pour réhydrater mon cheveu. Et toi t'aimes bien quand je mets ça hein. Surtout quand je dors avec ça à côté de toi. Ça pue. Donc là je vais ressembler à une graisse à frites pendant une heure, mais... Tant que je sors pas, c'est le principal. Bon, je vous interdis de rigoler. Hein. J'ai mis un film cellophane en fait sur mon soin. Enfin, sur mon soin, sur l'huile en fait, pour que ça chauffe encore plus et que ça agisse bien en profondeur. Donc je vais vous épargner cette tête pour l'ouverture des calendriers. Alors aujourd'hui, je sais absolument quel jour on est. On est le 14. Je l'attendais avec impatience comme c'était le jour de mon écho. Donc dans le calendrier bleu libellule, on a un petit miroir de poche. Ensuite, pour le Sephora, donc le numéro 14, on y est. Hop, qu'est-ce que c'est? Oh là 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 là, alors là, ça franchement, c'est moyen. Des petits stickers en forme de renard à ce que je vois, j'arrive même pas à les ouvrir. Bon, ben ça, ouais, ok. C'est un peu décevant. Et puis pour le The Body Shop, donc le numéro 14, en même temps j'ai oublié de retourner le 13, le 13 qui c'était celui d'hier. Alors le 14 il est là dans le coin. Ouh, la galère. Je vais prendre le 17 avec, je le sens. Oh, oh non la cata. Mais ils sont collés, c'est une blague. Bon, en fait, les deux sont collés. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah ouais, non, c'était... Oh, ouais. Bon, ben, j'ai plus qu'à tout ranger. Et là, du coup, ben, dans le 14, j'ai ça, mais j'ai ouvert le 17 sans faire exprès. On va dire que je l'ai pas vu. Et dans le 14, qu'est-ce qu'il y avait? Oh non, mais la cata, je suis dégoûtée. Je vais devoir tout ranger. Tout ça pour ça. Alors c'est quoi? C'est une crème pour les mains à la noix de coco. C'est parfait, j'adore. Mais maintenant, j'ai plus qu'à tout ranger. La cata. Non mais le calendrier, c'était Tetris. C'est impossible à remettre. Je sais absolument pas où les trucs se remettaient. Regardez, il y a des trous. Je suis
jamais été la pro de Tetris, donc je crois que du coup il va rester comme ça plat. Je pourrais plus m'en servir, c'est pas possible. Oh non, j'ai des trous et tout. Je suis dégoûtée. Bon, j'ai essayé de le remettre, mais je savais pas du tout. Il y en a trois qui passent plus dedans. Donc tant pis, ceux-là, je les enlèverai. Je vais laisser ça comme ça avec des trous. Je sais que c'est pas très présentable, mais tant pis. Miss Catastrophe. Bon, après cette journée riche en émotions, là j'ai enlevé ma voilette et je vais aller rincer tout ça sous la douche, les laver, refaire un bon soin, en espérant juste que le bleu là va partir. Et puis sur ce, je vous remercie encore vraiment beaucoup pour tous vos messages. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas, je suis en train de les lire. D'ailleurs, j'ai même plus de batterie tellement la batterie se décharge à une vitesse. Et je lis tout vraiment un par un et ça me fait trop 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 plaisir. Donc un grand merci et à demain pour un nouveau vlog.